Les six grandes lois à connaître pour gagner du temps dans tous les domaines. Si vous avez tendance à vous plaindre du manque de temps, sachez que vous êtes loin d'être le seul. On estime à 8 personnes sur 10 qui se plaignent du manque de temps. Alors j'ai une bonne nouvelle. Si vous désirez avoir plus de temps pour vous et ne plus tomber dans le processus des retards chroniques, et des périodes speed qui vous stressent, vous allez apprendre les six grandes lois pour gagner du temps. À vous le plaisir de posséder plus de temps libre. À vous la capacité de développer votre productivité. À vous le pouvoir de maîtriser votre temps. Voici les lois fondamentales à connaître. Première loi, la loi de Laborie. Que dit-elle ? Chaque individu a une tendance naturelle à d'abord faire les choses qui lui font plaisir, loi du désir ou du moindre effort en somme. Lorsque vous démarrez votre journée, votre conscience aura une tendance naturelle à s'orienter vers ce qui est plus aisé, plus facile. Attention, c'est un piège redoutable si vous désirez apprendre à gérer votre temps. Pourquoi ? J'ai interrogé des managers du temps. Ces personnes qui sont capables de produire plus vite, en moins de temps, avec le minimum d'efforts, pour avoir leur idée sur la question. Tous m'ont dit être très vigilants sur cette loi de Laborie. Faites toujours les tâches les plus délicates en premier. Plus vous attaquez dès les premières heures de votre journée les tâches les plus lourdes, et mieux votre journée se déroulera. Il est 100 fois plus facile de s'occuper de ce qui nous semble plus délicat à gérer. Le risque est que vous n'ayez pas assez d'énergie pour entamer celle-ci en fin de journée. Alors, il y a fort à parier que vous remettrez à plus tard votre tâche importante. 2. La loi de Fraisse. Le temps comporte une dimension psychologique qui est fonction de l'intérêt porté à l'activité effectuée. Plus l'intérêt est grand, plus le temps passe vite. De la même manière, si vous vous pincez le doigt dans une portière, il y a de grandes chances que vous perceviez chaque seconde qui passe comme une éternité. Si vous avez une tâche que vous redoutez, essayez néanmoins de chercher en vous-même des motifs de satisfaction. Par exemple, l'amour du travail bien fait, le goût de l'effort, la recherche de l'excellence, etc. Même dans ce que nous n'aimons pas faire, on peut toujours y trouver quelques intérêts. Conséquence, vous risquez de consacrer trop de temps à ce qui vous fait plaisir et de vous débarrasser trop rapidement des activités que vous abhorrez. 3. La loi de Murphy. Chaque chose prend toujours plus de temps qu'on ne le prévoyait au départ. Il y a toujours un ou des imprévus. J'ai noté chez les managers du temps une capacité systématique à se réserver une marge de temps supplémentaire dans leur planning. Elle leur sert à envisager l'imprévu. En revanche, les personnes qui courent après le temps en permanence ou qui ont des plannings qui ne laissent aucune marge à l'imprévu. Or, leur journée ne se déroule jamais comme elles le souhaitent et les retards et les contretemps s'accumulent. Pour échapper à cette fatalité, évaluez toujours le temps qu'il faudra consacrer à l'exécution d'une tâche en y intégrant l'imprévu. 4. La loi de Parkinson. Plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on en prend effectivement sans que le résultat soit forcément meilleur. Avez-vous remarqué que si vous avez plus de temps que d'ordinaire, 4 heures au lieu de 2 par exemple, pour effectuer un travail, vous remplirez tout ce temps pour le terminer. A contrario, si vous avez loupé votre réveil un matin, vous êtes capable de libérer un trésor de ressources pour tout faire dans un temps très compressé. Pour éviter ce genre de dérive, fixez-vous des échéances avant de faire votre tâche, en supprimant par exemple 10% de temps que vous avez l'habitude de prendre. 5. La loi d'Illich. Au-delà d'un certain seuil, l'efficacité professionnelle décroît, voire devient négative. Le principe des rendements décroissants
vaut aussi pour l'homme. Les Japonais l'ont bien compris. Ils organisent dans les entreprises des séances de sieste obligatoires. Je conseille à mes participants, lors de mes séminaires sur la gestion du temps, de ne pas dépasser des séquences de travail de 45 minutes. Après ce délai, la concentration baisse ainsi que l'intérêt pour la tâche effectuée. Il est donc nécessaire de faire une pause et ou de se changer les idées. Pour vous soustraire à cette loi, n'abusez pas de vos forces, ménagez-vous des pauses, prenez le temps de souffler. Loi numéro 6, la loi de Taylor. L'ordre dans lequel nous effectuons une série de tâches influe directement sur le temps qu'elles nous prennent. Peut-être êtes-vous du matin pour les travaux intellectuels ou physiques. Il est utile de bien se connaître pour éviter de gaspiller les effets de cette loi. Les managers du temps respectent leur pic d'énergie physique et intellectuelle. Or, ces pics ne se produisent pas au même moment dans la journée. Vouloir s'occuper de travaux intellectuels alors que votre rythme physique est à son apogée est un gaspillage. Apprenez donc à trouver le bon ordre en tenant compte de votre propre rythme. Si vous êtes en grande forme le matin, ne gâchez pas votre énergie à trier votre courrier. Merci de votre attention et à bientôt.